Que Dieu vous bénisse. Dis à ton frère à côté, ta soeur à côté, que je sais le Dieu je suis. Nous allons nous lever pour commencer notre réunion. Nous lirons dans le psaume 103. Psaume 103. Psaume 103. Nous lisons. Mon âme bénit l'Éternel. Que tout ce qui est à moi bénisse son saint nom. Mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. C'est lui qui pardonne toutes tes iniquités, qui guérit toutes tes maladies. C'est lui qui délivre ta vie de la fosse et qui te couronne de bonté et de miséricorde. C'est lui qui rassasie de bien ta vieillesse, qui te fait rajeunir comme l'aigle. L'Éternel fait justice. Il fait droit à tous les opprimés. Il a manifesté ses voies à Moïse, ses œuvres aux enfants d'Israël. L'Éternel est miséricordieux et compatissant, lent à la colère et riche en bonté. Il ne conteste pas sans cesse. Il ne garde pas sa colère à toujours. Il ne nous traite pas selon nos péchés. Il ne nous punit pas selon nos iniquités. Mais autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant sa bonté est grande pour ceux qui le craignent. Autant l'Orient est éloigné de l'Occident, autant il éloigne de nous nos transgressions. Comme un père a compassion de ses enfants, l'Éternel a compassion de ceux qui le craignent, car il sait de quoi nous sommes formés. Il se souvient que nous sommes poussière. L'homme, ses jours sont comme l'herbe. Il fleurit comme la fleur des champs. Lorsqu'un vent passe sur elle, elle n'est plus. Et le lieu qu'elle occupait ne la reconnaît plus. Mais la bonté de l'Éternel dure à jamais pour ceux qui le craignent. Et sa miséricorde pour les enfants de leurs enfants. Pour ceux qui gardent son alliance et se souviennent de ses commandements afin de les accomplir. L'Éternel a établi son trône dans les cieux. Et son règne domine sur toutes choses. Bénissez l'Éternel, vous ses anges, qui êtes puissants en force et qui exécutez ses ordres. En obéissant à la voix de sa parole, bénissez l'Éternel, vous ses armées, qui êtes ses serviteurs et qui faites sa volonté. Bénissez l'Éternel, vous toutes ses œuvres, dans tous les lieux de sa domination. Mon âme bénit l'Éternel. Amen.
oui. Ainsi du ciel, ainsi du ciel, sur les ailes du trône. Jésus notre sauveur. Jésus notre sauveur. Vingt jours sur la terre, et dans une étoile. Dans une feste pâle, ici par mais non pas du ciel, venu dans la force, sur les ailes. Sur les ailes d'une colombe blanche comme neige, tu envoyas son âme, un signe du ciel. Oh, sur les ailes d'une colombe. Le troisième couplet. Oui, bien qu'ayant beaucoup de bien de manières, je criais pour ma guerre la nuit comme le jour, et ma foi ne fut pas oubliée. Et ma foi ne fut pas oubliée par le Père du ciel. Dieu me donne la chance ici, sur les ailes d'une colombe, sur les ailes. Encore une fois, bien qu'il y ait beaucoup souffert, ce couplet que Frère Balama écrit, bien qu'il y ait beaucoup de bien des manières, je criais pour ma guérison la nuit comme le jour, oui la nuit comme le jour, ma foi n'est pas oubliée par le temps et ma foi ne fut pas par le Père du ciel. Dieu me donna sa vie. Oui, Dieu me donna sa vie. Sur les ailes du colon. Sur les ailes du colon. Oui, sur les ailes du colon. Sur les ailes du colon. Dieu envoya son âme. Un signe du ciel, un signe du ciel, sur les ailes du colombe, oui, sur les ailes du colombe, sur les ailes du colombe, flash comme les yeux envoyant son amour. Son amour le plus, un signe du ciel, un signe. Sur les ailes du colombe, prions tous ensemble, et notre foi ne sera pas oubliée par le Père du ciel. Et tout à l'heure, sur les ailes d'une colombe, Dieu nous donnera son signe. Thank you.
Ce matin j'ai pris pour ma guérison dans tous les domaines. Je sais que ma foi ne sera pas oubliée par mon Père du ciel. Dans l'heure, il me donnera ainsi sur les veines, sur les inconnants. Sur les ailes d'une colombe, blanche comme neige, blanche comme neige. Dieu envoya son amour. Signe du ciel, oh, oh.
s'est envolé. Maintenant je suis victoire en Jésus. Que Jésus m'a libéré, car il n'y a pas longtemps, j'étais si chargé, mais son jour est très doux pour moi, mon âme était plus que lui, et tout s'est envolé pour moi. Depuis que Jésus m'a libéré, mon âme était plus que lui, mon âme était plus que lui, mais tout s'est envolé.
Et depuis, je suis si heureux. Alléluia. Amen. Béni soit ton nom, Seigneur Jésus-Christ. Toi, notre Rédempteur. Toi qui as payé le prix qui était exigé au Père. Tu ne dois plus rien à personne pour notre salut, pour notre rédemption. Nous sommes heureux d'être les bénéficiaires, ô Père bien-aimé, de ce grand amour que tu as manifesté, ô Père. Béni soit ton nom pour cette réunion que tu rends possible. Et nous sommes sûrs, Père, nous n'avons aucun doute, ô Père, qu'aujourd'hui c'est le jour, ô Père, le jour que tu as fait pour notre bénédiction, pour notre guérison dans tous les aspects de notre vie, ô Père. Nous disons que nous sommes prêts, ô Père. Nous avons les bras grands ouverts, ô Père, attendant que tu nous bénisses, Père. Attendant que tu déverses ta bénédiction, Père. Et nous sommes prêts à le recevoir pour la gloire de ton nom. Béni, ô Dieu, notre pasteur, l'instrument que tu vas utiliser. Nous prions aussi pour son voyage, ô Père bien-aimé. Accorde, ô Dieu, que ce voyage soit un succès, ô Père. Sur tous les plans, ô Père bien-aimé. Comme nous le demandons au nom de Jésus-Christ. Amen. Acclamation au Seigneur. Amen. Est-ce que quelqu'un est heureux? Même pas besoin de poser la question. Amen. Je suis heureux car Jésus m'a sauvé. Dans son amour, il m'a tout pardonné. Voilà pourquoi je me mets à chanter. Je suis heureux car Jésus. Oui, moi je suis heureux, je suis heureux car Jésus m'a sauvé. Dans son amour, il m'a tout pardonné. Voilà pourquoi je me mets à chanter. Oh, je suis heureux. Oui, j'aime, oui, j'aime l'homme de Galilée. Oui, j'aime l'homme de Galilée. Mon pardon. J'aime l'homme de Galilée. J'aime l'homme de Galilée. Oui, oui, j'aime l'homme. Oui, j'aime l'homme de Galilée.
m'aime, Jésus m'aime, Jésus m'aime, Jésus m'aime, qu'il soit loué, amen. À tes enfants qui cherchent du travail au Père, car tu sais que dans leur cœur, ils ont bien envie d'accomplir cette parole au Père. Laisse au Dieu que tu les aides à y arriver, Père bien-aimé, et aide également ceux qui ne remplissent pas ce rôle au Père bien-aimé, n'accomplissent pas ce devoir, et donne-leur la révélation, Seigneur, que notre bénédiction dépend au Père. Que tu secoues chacun de nos pères, afin que toute l'Église, ô Dieu, soit bénie en même temps, ô Dieu Tout-Puissant. Que personne ne reste en arrière, ô Seigneur. Merci de l'accomplir, comme nous le demandons au nom de Jésus-Christ. Amen. Viens vous asseoir, frères et sœurs. Ce moment qui nous donne de pouvoir le louer, de pouvoir l'adorer dans sa présence.
elle ferma, puis pour ma foi, l'amour suprême descend sous. Dieu vint sur la terre, vivre un homme de douleur, voyant ma misère. J'ai qui me sent de ton amour. J'ai oh j'ai moi je t'aime en retour. J'ai mais qui me sent de ton amour. Malgré mon indignité, toujours le même, plein de pitié. Il voit ma souffrance, il enlève mon souci. Son amour immense est mon sous-abri. Oh Jésus, le sang de ton amour. Il je t'aime, Jésus, Jésus, oh, le sang de ton amour. Amen. Sa vie éternelle, sa vie éternelle, il a partagé avec moi sa gloire immortelle, il offra ma foi. Ma souffrance,
retour. Ce jour. Nous sommes le 3 octobre 2021. Sœur Ozan a accueilli ce matin 7 enfants. Et nos enfants ont apporté 65 euros comme offrande. Et le sujet du jour, c'est l'amour des dieux. Et bien l'amour que nous venons de chanter. Et la leçon a porté essentiellement sur la source d'eau vive. Et lecture de la parole, Jean chapitre 4. Du verset 13 au verset 14. Jean chapitre 4, du verset 13 au verset 14. Nous répétons ces écritures pour que les parents les répètent à leurs enfants à la maison. Amen. Essentiellement les mamans. Parce que Frère Barnum le dit comme ça. Amen. Voilà. Donc, Michée chapitre 5 et le premier verset. Alors, sur osant montrer à nos enfants que la source d'eau vive dont il est question, c'est Jésus-Christ. Il dit, lorsqu'on a Jésus-Christ dans le cœur, on n'aura jamais soif ni faim, car en lui, il y a tout. Donc répétons cela à nos enfants, que lorsqu'on a Jésus-Christ dans son cœur, en fait, des sources de vie vont couler. Amen. C'est ce que Sœur Ozan a dit aux enfants ce matin. Et il y a un devoir. Il est demandé à nos enfants de trouver l'endroit exact dans la Bible. L'endroit exact où Jésus veut trouver son trône aujourd'hui, son berceau aujourd'hui. Les lieux où Jésus doit naître aujourd'hui. Est-ce que c'est toujours à Nazareth ou c'est à un autre endroit? Il est demandé aux enfants de trouver ces lieux-là. Alors, indice, la réponse se trouve dans le message. Pourquoi la petite Bethléem? Et l'indice est tellement précis au paragraphe 130. La réponse se trouve là. Nous demandons à nos enfants de trouver cette brochure, de la lire afin de trouver la phrase exacte que Frère Branham a utilisée pour exprimer cette pensée.
C'est cette phrase-là qui est attendue. Et pas une phrase que vous allez inventer, mais reprenez cette citation-là telle que Frère Branham l'a dit. Voilà, que Dieu vous bénisse. C'était le rapport de l'école du dimanche.
Quel jour de gloire, quand Jésus m'a sauvé. Disons des chaînes du péché, Jésus m'a libéré. Des chaînes du péché, Jésus m'a libéré. Des chaînes du péché, Jésus m'a libéré. Quel jour de gloire, oh, encore une fois des chaînes du péché. Disons des chaînes du péché, Jésus m'a libéré. Des chaînes du péché, Jésus m'a libéré. Des chaînes du péché, Jésus m'a libéré. Quel jour de gloire, quand Jésus m'a sauvé. Aux choses du passé, je ne veux plus toucher. Aux choses du passé, je ne veux plus toucher. Aux choses du passé, je ne veux plus toucher. Quel jour de gloire, quand j'ai vu ma sauvée. Quel jour de gloire, Seigneur.
Amen. Aujourd'hui, nous pouvons dire aux gens, si tu me vois encore sur terre, c'est que l'enlèvement n'a pas encore eu lieu. C'est la preuve que l'enlèvement n'a pas encore eu lieu. Amen. Ce n'est pas parce que tu es bon. Ce n'est pas parce que tu es sans faute. Mais c'est à cause de sa bonté à lui. Thank you.
Amen. Notre Dieu est merveilleux. Il a confirmé qu'il nous a connus dès avant la fondation du monde. Que nous sommes venus de l'éternité et nous retournons à l'éternité. Amen. Qu'il soit béni à jamais. Amen. Le dimanche passé, il nous a donné la vie éternelle, sans prix, sans argent. Amen. Je vous demande de réécouter encore l'exhortation de mercredi. C'est important pour que ça puisse nous affermir encore dans nos convictions. Amen. C'est très important. Amen. Retenez ceci. Nous n'étions pas en train d'invoquer Satan. Amen. Nous étions en train d'invoquer le Dieu du ciel. Amen. Chacun doit croire de toutes ses forces qu'il l'a reçu. Je vous cite le prophète. Frère Branham dit, vous devez le croire comme ça jusqu'à ce que le contraire sera prouvé. Amen. Je ne sais pas qui a reçu l'ordre de prouver le contraire. Je ne sais pas. C'est ta foi. Amen. Oui, il n'y a pas le jury ici. Moi, je crois. Toi, tu crois. Nous croyons que Dieu nous a visités. Tu peux broncher, tu peux tituber, tu peux tomber. Cela ne veut pas dire que tu ne peux pas marcher. Amen. Tu peux prendre le pied dans le tapis, tu tombes par terre, mais tu vas te relever. Enlever la poussière, et puis tu marches. Celui qui va te rencontrer 100 mètres plus tard ne saura pas que tu es tombé là-bas. Amen. Retenez une chose. Frère Branham dit, un homme rempli du Saint-Esprit peut commettre l'erreur. Amen. Mais la différence avec le pécheur, c'est quoi? Le pécheur va demeurer dans l'erreur. Il va se plaire dans l'erreur. Mais le Saint-Esprit en toi va te condamner et tu vas mettre la chose en ordre. C'est ça la différence. Frère Branham dit, il n'y a que l'épouse qui se repent. Il n'y a que l'épouse qui a reçu la gomme pour effacer. Vous avez la gomme. Quel que soit ce qui vous arrivera, prenez la gomme. Effacez, continuez le chemin. Vous l'avez reçu. Restez dans la prière, restez dans la parole de Dieu, restez dans la foi, éloignez-vous du mal, éloignez le mal de vous, et Dieu sera toujours avec vous. Amen. Frère Branham nous a dit, je vous l'ai cité il y a 2 semaines, il a dit, tout ce que vous ne pouvez pas faire dans sa présence. Amen. Amen. Ne le faites pas. Amen. C'est-à-dire à supposer que Jésus est là. Je le vois physiquement, il est là. Et moi, je suis là. Tout ce que je ne peux pas faire dans sa présence, comme ça, même s'il n'est pas là, je ne le ferai pas.
Est-ce que vous avez compris ça? Marchons tous désormais avec cette clé. Le diable peut essayer de nous perturber, de nous pousser encore à regarder ce qu'il ne faut pas, à écouter ce qu'il ne faut pas, que cette parole remonte en vous. Tout ce que je ne peux pas faire dans sa présence, je refuse de le faire. Parce qu'en fait, à partir d'aujourd'hui, sa présence n'est plus à côté de vous. Sa présence est où? En nous. Sa présence est en nous maintenant. Amen. Alors, évitons le mal et l'apparence du mal désormais. Même si ce n'est pas le mal, mais ça donne l'apparence d'être le mal, ne touchons pas. Ne le faisons pas. Nous sommes un peuple saint, sanctifié, prédestiné et destiné à l'éternité. Marchons comme cela. Que Dieu nous bénisse. Donnons-lui une acclamation. Le dimanche passé, il a guéri nos âmes. Mes lunettes. Aujourd'hui, il va guérir pas seulement nos corps. Amen. Il va tout guérir. Nos finances, nos maisons. Amen. Notre vie, nos enfants, nos affaires. Aujourd'hui, ce n'est pas la guérison divine, mais c'est la guérison. Amen. Sommes-nous prêts à cela? Donc, c'est le pourquoi du calvaire. Il nous dit qu'il est parti au calvaire pour deux raisons. Pour notre salut et notre guérison. C'est la raison d'être de la croix là. Une église qui ne prêche pas la guérison, qui ne prie pas pour la guérison, qui ne croit pas la guérison, cette église ne sait pas ce qu'elle fait. Parce que même le salut, moi j'ai toujours dit que Jésus n'est pas parti à la croix pour deux raisons. J'ai toujours dit qu'il est parti à la croix pour une raison. Pas deux. Ah bon? Oui? Une raison. La raison c'est quoi? La guérison. Le salut c'est la guérison de l'âme. Amen. Le salut c'est la guérison de l'âme. Amen. Quelle que soit la maladie, les scientifiques ont donné de très bons noms aux démons. Un très bon nom, Alzheimer. Ça sonne bien, hein? Mais c'est le nom d'un démon. Tuberculose. Le nom d'un démon. Une personne qui n'a pas de révélation, il peut même donner ça à un enfant. Et puis on commence à appeler l'enfant Lose, tuberculose. Le nom d'un démon. Amen. Hypertension. Insuffisance cardiaque. Un démon, il a le nom et le prénom. Insuffisance cardiaque. Myopie. Insuffisance rénale. Hémorroïdes.
Comme je le cite là, il tremble déjà. Alléluia! Est-ce que vous le croyez comme ça? Amen! Estomac! Amen. Prostate, prostatite. Nervosité. Colère. La colère, c'est le démon qui balise le chemin pour la folie. C'est le stade primaire de la folie. Lombalgie, sciatique, diabète, pneumonie, cancer. Anémie, entorse, sclérose en plaques, quoi d'autre? Estomac, et tous les autres, il y en a plein. Même ce que je n'ai pas cité, si tu l'as, tu les cites toi-même. Amen. Aujourd'hui, notre décision, c'est quoi? Nous sommes venus pour quoi? Pour mettre un terme à ça. Pour cela, nous sommes en guerre. Quand Israël allait en guerre, d'abord il y avait quoi? L'arche, la parole. Ainsi, la parole avant, et puis nous allons attaquer. Lèvons-nous alors. L'évangile à l'ancienne mort, il conduit à l'autel, et voici.
Aujourd'hui, c'est la prière pour la guérison. Nous sommes venus parce que nous avons de besoins. Avant la parole, je demande à chacun de dire à Dieu ce qu'il a apporté comme besoin. Je suis venu aujourd'hui, Seigneur, c'est aujourd'hui ou jamais, je t'apporte telle chose. Je t'apporte mes enfants. Je t'apporte mes affaires. Je t'apporte ma femme, Seigneur. Je t'apporte mon mari, Seigneur. Je t'apporte mon couple, Seigneur. Je t'apporte ma santé, Seigneur. Que je ne sorte pas d'ici comme je suis venu. Dans ta présence, il y a la vie. Dans ta présence, il y a la délivrance. Dans ta présence, il y a tout. Accorde-le-moi, Seigneur. Que chacun élève sa voix et dise à Dieu pourquoi il est là ce jour. Parlez. Alléluia. Appelé à prêcher la parole, à délivrer ceux qui sont dans les liens, quelle que soit leur nature et leur origine. Je suis ici maintenant pour l'accomplissement de ma commission. Moi, d'une façon particulière et spéciale, pour l'accomplissement de la parole de Dieu. Je soumets chaque corps, chaque esprit et chaque âme au contrôle de Dieu, de tout esprit et de toute chair. J'anéantis et paralyse toute la puissance de l'ennemi en ces lieux. Merci de prendre le dessus et le contrôle de toutes choses. Au nom de Jésus-Christ, amen. Prenons la parole de Dieu dans Nombre 21. Nombre 21, à partir du verset 5. Et le peuple parla contre Dieu et contre Moïse.
Amen. J'aimerais vous faire voir une chose déjà. Le peuple s'est rebellé contre Dieu, le Créateur. Vous m'écoutez? Et contre son prophète. Mais nous allons voir l'attitude de Dieu. Après que son peuple s'est rebellé contre lui et contre son prophète, comment Dieu va réagir? Alors, qu'est-ce que le peuple dit? Pourquoi nous avez-vous fait monter hors d'Égypte pour que nous mourions dans le désert, dans ce désert? Car il n'y a point de pain, il n'y a point d'eau, et notre âme est dégoûtée de cette misérable nourriture. Ça, c'est le peuple. Alors, l'Éternel envoya contre le peuple des serpents brûlants. Ils mordirent le peuple et il mourut beaucoup de gens en Israël. Est-ce qu'on voit la première réaction de l'Éternel? Ok. C'est la réaction à l'action. Après, le peuple vint à Moïse et dit, nous avons péché. Est-ce que vous voyez comment les choses se passent? Le peuple commet l'erreur contre Dieu. Dieu réagit. Après, le peuple revient pour dire à Moïse, nous avons péché. Car nous avons parlé contre toi et contre l'Éternel. Ça s'appelle quoi? La repentance. Amen. Le peuple s'est repenti. Donc, contre toi et contre l'Éternel. Prie l'Éternel afin qu'il éloigne de nous ces serpents. Amen. Qu'est-ce que Moïse a fait? Non, vous avez mérité ça. Non. Alors Moïse pria. Amen. Alors l'Éternel dit à Moïse, fais-toi un serpent brûlant et place-le sur une perche. Quiconque aura été mordu et le regardera, conservera la vie. L'Éternel répond. Amen. Car il est écrit, Dieu, frère, Dieu ne peut pas déroger à ses lois. Amen. Il a dit, celui qui demande, reçoit. Il a dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et moi je vous donnerai du repos. Il suffit de venir, d'être sincère, de dire j'ai péché, j'ai commis l'erreur, Seigneur je reviens pour ne plus errer. Ouvre, hein? Ouvre le large bras d'amour, Seigneur je reviens. Dès que tu lui dis ça et que tu es sincère, il ouvre ses larges bras d'amour et il te reçoit. Amen. Et ceux qui avaient été mordus ont regardé, ont obéi. Ils ont regardé au serpent des reins et ils ont conservé la vie. Les enfants d'Israël partirent et ils campèrent à Oboth. Que Dieu bénisse sa parole. Veuillez vous asseoir. Merci Seigneur. Alléluia. Je vous salue précieusement au nom de notre Seigneur Sauveur Jésus-Christ.
Je vous salue précieusement au nom de notre Seigneur Sauveur Jésus-Christ. Amen. Je vais donner une petite exhortation. Je vais courir parce que je pensais le faire en deux temps, mercredi et dimanche. Mais mercredi, le Seigneur a conduit les choses autrement. En fait, j'ai compris que c'est Frère Bach qui a détourné ma prédication. Il est venu me dire après la réunion que non, tout ce qui s'est passé là, c'est moi qui ai demandé ça à Dieu. J'ai dit, ah, ça commence mal, hein. J'ai dit à Dieu, si moi j'ai reçu réellement le Saint-Esprit, je veux que le mercredi, le pasteur revienne sur ça pour dire que vous l'avez reçu. Oh. S'il vous plaît, utilisez ça correctement. Hein. Oui. Vous devenez dangereux là comme ça. Veillez à l'utiliser correctement, d'accord? Acclamez le Seigneur Jésus. Amen. Écoutons le prophète. L'homme intérieur, 12 décembre 53. Frère Branham déclare, quand il y a des ennuis, Dieu est toujours le Dieu qui satisfait aux besoins. Amen. Et ça, il a dit juste après avoir lu cette écriture-là. Vous avez vu que je ne lisais pas dans la Bible, je lisais là. C'est quand il termine de lire cette écriture-là, amen, directement il attaque avec la citation-là. Il dit, quand il y a des ennuis, amen. Soyons sincères, vous avez des ennuis dans cette salle. Participez. Je vais vous dire une chose. Nous sommes les hommes des nations. Amen. Les hommes des nations, les gentils que nous sommes. Le prophète nous a dit que Dieu peut nous donner tout sans imposition des mains. Amen. L'imposition de main, c'était pour Israël. Mais nous, des nations, comme tu es là, la parole de Dieu sort avec la puissance transformatrice. Avec la puissance pour guérir. La puissance pour chasser des démons. Briser des liens. Quand elle sort là, elle fait ça. Alors ne soyez pas distraits. Disant, j'attends la ligne de prière. Non. Attends la guérison où tu es. Amen. C'est ton attitude et la façon dont tu le reçois. Il dit ceci, quand il y a des ennuis, amen. Retenez ça. Chaque fois que vous avez des ennuis, Dieu est toujours, pas quelque temps. Donc c'est permanent. Amen. Donc c'est permanent, c'est-à-dire il est toujours là. Amen. Et toujours le Dieu qui satisfait aux besoins quand il y a un besoin chez son peuple. Maintenant, nous avançons. Est-ce que vous croyez le prophète? Est-ce qu'il y a un besoin chez le peuple de Dieu ce matin? Amen. Alors, si nous avons cru le prophète, croyons qu'il est là pour satisfaire à chaque besoin dans cette salle.
quelle que soit la nature de besoin. Parce que ici, il n'a pas déterminé. C'est pourquoi j'ai dit, ce n'est pas la guérison divine. C'est la guérison tout court. Amen. Quelle que soit la nature de besoin. Amen. Dieu est toujours le Dieu qui satisfait aux besoins de ses enfants chaque fois qu'il y a des ennuis. Amen. Merci Seigneur. Il dit ceci. Dieu avait promis de pourvoir à leurs besoins. Vous êtes avec moi? Suivez-moi. Il est en train de déballer quelque chose là. Il dit, Dieu avait promis aux enfants d'Israël, quand ils sortaient pour aller dans la terre promise là, il leur a fait une promesse. Comme vous sortez là, pour aller dans la terre promise, comme je l'avais dit à votre père Abraham, c'est un long voyage. Amen. Sur le chemin, vous rencontrerez des obstacles. Il y aura des ennuis. Il y aura des temps difficiles. Il y aura des combats, des batailles. Ça sera dur. Mais écoutez une chose que je vais vous dire. Moi, Dieu, je vais pourvoir à tous les besoins. Qu'est-ce que ça veut dire « je vais pourvoir à tous les besoins » C'est-à-dire, quels que soient les ennuis, les besoins que vous allez rencontrer, j'ai déjà une solution. Amen. Sur base de la nature de besoin, sur base des ennuis que vous allez rencontrer, moi j'ai déjà préparé d'avance. Remarquez que dans cette préparation d'avance, vous n'avez pas encore prié. Alléluia. Vous n'avez pas encore prié. Vous n'avez pas demandé. La chose n'est pas encore arrivée. Mais le Dieu qui connaît la fin de toutes choses, avant son commencement. Alléluia. Le Dieu qui connaît la fin de toutes choses, avant son commencement, c'est que tel jour, telle année, à telle heure, à tel endroit, il va rencontrer ce problème. Alors moi, Dieu, à cause de ma bonté, malgré ses faiblesses à lui, malgré ses insuffisances, malgré sa rébellion, acclamez très fort le Seigneur. Alléluia. Malgré sa rébellion, malgré son incrédulité, moi j'ai déjà pourvu, j'ai déjà préparé une solution à tous les ennuis qu'il aura sur le chemin. Ah. Comment ne pas servir un Dieu comme ça? Comment ne pas acclamer un Dieu comme ça? Comment ne pas louer un Dieu comme ça?
Ceci étant, nous devons comprendre, frères et sœurs, que ces ennuis nous surprennent. Amen. Mais ça ne surprend pas Dieu. Amen. Regardez dans les anges de l'église, il dit, je connais tes souffrances. Vous êtes avec moi? Je connais tes souffrances, tes épreuves et tout ça. Maintenant, tout le monde attend. Ah, parce qu'il connaît mes souffrances, mes épreuves et tout ça. Donc il va maintenant me donner la solution. Alors tout le monde reste calme. Je connais tes souffrances. Je connais tes épreuves. Je connais tes ennuis. Maintenant, calme. Il va donner la solution. Mais il dit, ce que j'ai contre toi. Pourquoi il ne parle plus de souffrance, mais il parle de ce qu'il a contre moi? Parce qu'en ce qui concerne les souffrances, il a déjà pourvu à la solution. Il n'a pas besoin de revenir sur ça. Pour tes souffrances, c'est un cas réglé. Mais l'unique chose que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné le premier amour. Retourne au premier amour. Où tu m'adorais, tu priais, tu dansais, tu étais toujours dans ma présence. C'est ce que moi je cherche. En ce qui concerne tes épreuves, la solution est entre tes mains. Voilà le Dieu que nous servons. Il ne peut pas revenir sur une chose qu'il a déjà accomplie. Dieu ne se contredit pas. Frère Branham dit, s'il vient ici, vous lui demandez la guérison, il dira, je ne peux pas le faire. Son attitude le montre. Ses paroles le montrent. Moi, je souffre, j'ai des épreuves, j'ai des ennuis. Tu descends, au lieu de me donner la solution, tu dis, non, je connais ça. Mais c'est que j'ai contre toi. Je parle de ce que j'ai contre toi, pas de tes épreuves et tes souffrances, parce que pour ça, j'ai déjà pourvu. Tu vas pleurer pourquoi? Tu vas rester là comme ça, la main à la joue pourquoi? Tu vas manquer le sommeil, pourquoi? Tu vas refuser de manger, d'être dans la joie, pourquoi? Amen. Je connais tes souffrances. Donne-moi la solution. Tu l'as, mais moi je te condamne une chose. Tu as abandonné le premier amour que tu avais pour moi. En ce qui concerne tes épreuves, tes souffrances, tes ennuis, tu as la solution dans tes mains. Je ne reviens pas sur ce que j'ai déjà fait. Ça s'est accompli à la croix. Tu l'as, il suffit de croire. Même le prédicateur qui t'impose les mains, il ne te donne pas la guérison. Même l'exhortation que nous donnons, ce n'est pas la guérison. Regardez ce que nous faisons. Tu as la bouteille d'eau là. Amen. Dans tes mains. Mais tu ne sais pas comment faire pour boire. Alors que tu as ça, tu as soif, tu peux mourir de soif. Mais tu as l'eau dans tes mains. Qu'est-ce que le prédicateur fait? Le prédicateur vient juste t'aider.
à ouvrir le bouchon pour te permettre de boire l'eau qui est dans tes mains. Est-ce que vous comprenez un peu? Frère Branham dit, la guérison est dans le malade. Le don de guérison. Tout celui qui a un problème ce matin, quelle que soit sa nature, tu as la solution toi-même. Amen. Nous allons juste enlever le bouchon pour te permettre de boire, de matérialiser la solution qui est dans tes mains. Et la solution, ce n'est pas le prédicateur qui te le donne. Il dit, Dieu a pourvu. Amen. À tous les besoins de ses enfants. Le premier pas, c'est de croire vraiment que tu es son enfant. De te stabiliser dans ta tête et dans ton cœur. Dans ta foi. Que je ne suis pas ici par hasard. Je ne suis pas dans ce message par hasard. C'est parce que je suis un enfant de Dieu. Il m'a connu avant toute chose. Autant marqué, il a utilisé un homme, une femme, une voix, n'importe laquelle, pour que je puisse être dans la parole. C'est tout. Vous dites amen à ça? Amen. Dieu est Dieu. Pour son enfant, il peut utiliser n'importe quel moyen. Élie a eu faim. Dieu a utilisé quoi? Les corbeaux. Vous êtes avec moi? Élie n'est pas resté là désormais. Mon Dieu devient le corbeau. Il marche partout avec le corbeau dans la main. Il marche partout. La nuit, le corbeau est là. Il fait des dessins de corbeau. Il fait le corbeau, il met autour du cou. Non, c'est parce que les jours, c'est pour me souvenir de ces jours. Non. Dieu a utilisé le corbeau. C'est terminé avec le corbeau. Maintenant, je traite avec Dieu moi-même. Parfois, ce sont les erreurs que les chrétiens commettent. Dieu a utilisé une personne pour que tu connaisses le message. Ça devient ton idole. C'est lui qui commence à te diriger. Ah, comme c'est lui qui m'a amené dans la parole, frère. Non! C'est un moyen que Dieu a utilisé. Après maintenant, frère Branham nous a dit, souvenez-vous, à la fin des âges de l'Église, tout ce que je recherche, c'est quoi? Qu'il y ait le lien personnel. Amen. Entre chaque enfant de Dieu et Dieu lui-même. Je serai satisfait en voyant ça là. Le lien dans lequel les enfants de Dieu deviennent des nouvelles créatures. Les liens dans lesquels Dieu devient une réalité. Une personne à qui tu peux parler et qui peut te répondre. Qui peut marcher avec toi. Qui peut te dire, ne prends pas ce chemin. Il y a un danger là-bas. Qui peut te dire, évite telle personne. Évite telle relation. Attention, il y a quelque chose qui ne va pas à tel endroit. Quel est cet enfant qui a un père et qui ne peut pas communiquer avec son père? Et quand les gens font ça, oh, c'est du pentecôtisme. Frère Branham dit, en ce qui concerne cela, je suis un vrai pentecôtiste. Vous dites amen? Amen? Attention, nous sommes dans l'âge de la séduction. Frère Branham dit,
vous voulez connaître le modèle d'une vraie église, c'est l'église primitive. Qu'est-ce qu'il y avait dans l'église primitive? Il n'y avait pas que parole, frère. Parole, frère. Non. Il y avait la parole et la manifestation, même les manifestations de la parole, du surnaturel. Vous dites amen à ça? C'est ça, le modèle de la vraie église. C'est l'église primitive. Dans l'enseignement sur les âges de l'église, Frère Branham est revenu constamment sur ça. Il n'y a personne qui changera ça. Ce n'est pas parce que tu ne vois pas ça dans ton église que tu dois commencer à condamner. Non. L'humilité veut que tu ailles devant Dieu. Tu lui demandes, mais pourquoi je ne vois pas ça? Parce que, frère, un enfant de Dieu, tu ne vois pas une promesse de la parole se manifester dans ta vie, tu dois aller devant Dieu. Vous êtes avec moi? Regardez l'attitude de Josué. Dieu ne lui a pas promis la mort. Dieu lui a dit, je serai avec toi, comme j'ai été avec mon serviteur Moïse. Nul ne tiendra devant toi tant que tu vivras. Qui a dit ça? Dieu. Nul ne tiendra devant toi tant que tu vivras. Ainsi dit le Seigneur. Et d'un coup, 16 morts dans le camp. Regardez l'attitude de Josué. Il n'a pas dit au non, frère, il faut comprendre, ça peut arriver. Ce sont des choses qui arrivent. De toutes les façons, la mort est là. C'est inévitable. Non. Il s'est référé à la promesse. C'est parce que beaucoup de gens n'ont pas rencontré Dieu. Quand Dieu t'appelle, il te donne une commission. Tu es devant la chair, tu prêches, mais tu as une commission. À un moment donné, tu vois les choses qui ne marchent pas selon ce que Dieu t'a dit. Quand il t'a appelé, tu arrêtes. Tu retournes dans la présence de Dieu. Souviens-toi de la commission que tu m'as donnée. Ce n'est pas ce que je vois. Qu'est-ce qui se passe? Il reviendra, il te le dira. Je le dis parce que je l'ai expérimenté plus d'une fois. Amen. Il ne m'a pas dit, je t'appelle à prêcher. Non. Voici ce que tu feras, avec précision. Amen. Et je marche partout avec ça. Dès que je vois l'opposition ou le contraire, je laisse. Je retourne à lui. Pourquoi il y a ça? Et j'ai la réponse. Vous êtes avec moi, Église? Et quand Josué arrête tout, il retourne dans la présence de Dieu. Tout de suite, Achan était dans le camp. Le manteau de Shinéar. Frère Branham dit, Josué a convoqué l'assemblée. Il devait savoir pourquoi il y a eu les morts dans le camp. Vous êtes avec moi? C'est comme ça, l'enfant de Dieu marche avec la promesse. Dieu, tu m'as promis telle chose. Tu m'as dit. La parole de Dieu déclare. Pourquoi je ne vois pas ça? Tu ne peux pas être là. Il y a des promesses dans la parole qui ne s'accomplissent pas dans ta vie. Mais tu es calme. Non, non. Tu dois connaître ta position. Si tu es un enfant de Dieu, tu dois parler avec Dieu. Dieu doit te parler et te conduire. Parce qu'il a conduit les saints d'autrefois. Il a conduit notre modèle dans le message, le prophète William Marion Branham. Amen. Même une guérison. Comme nous allons le voir tout à l'heure, je vais arrêter dans 10-15 minutes. Amen. Tu ne vois pas la guérison pour une maladie. Tu as les droits.
d'aller devant Dieu et de lui demander pourquoi tu n'es pas guéri. Amen. Et Dieu va te répondre. Dieu répond de la manière qu'il veut, lui. C'est à toi d'être attentif pour ne pas passer à côté de la réponse de Dieu. Comme je vous ai donné ici l'exemple de Dieu qui me répond par l'homme, cette Lévi. Qui peut imaginer ça? Est-ce que c'est le moment pour que je puisse me lever et prêcher? Silence. Et on est là en train de parler, de rigoler, tout ça. C'est cette Lévi qui va dans les albums, les livres, de tout ça. Il tire seulement une brochure. Il vient, il me donne la brochure et puis il continue son chemin. Il faut être attentif pour comprendre que Dieu vient de parler. Aimez-vous Dieu? Écoutez le prophète. Il dit ceci. Vous savez cela. Dieu avait promis de pourvoir à leurs besoins. Amen. Écoutez ce qui suit. Il dit ceci. Et pourtant, ils avaient mal agi. Ils avaient mal agi. Frère Branham dit, il y a certaines maladies, certaines situations par lesquelles nous passons à cause de péché. La maladie, les souffrances, certaines choses reposent sur le péché. C'est l'assiette. Le péché. Le péché, c'est l'incrédulité. On est incrédule à une écriture. On fait le contraire de ce que cette écriture dit. Voilà ce qui attire parfois la maladie, qui attire les souffrances, qui attire le blocage, qui amène des maux dans notre vie. Vous me suivez très bien. Frère Branham de dire, parfois, ce n'est pas nous directement qui l'avons fait. Ça peut être le papa qui l'a fait. Ça retombe sur les enfants. Ça peut être le grand-père qui l'a fait, ça retombe sur toi, innocent. Il dit, ça peut être l'arrière-grand-père. Et quand il dit ça, il cite une écriture, il dit, souvenez-vous qu'il a dit qu'il va punir jusqu'à la troisième ou quatrième génération. J'ai toutes ces écritures à cause du temps. Je ne pourrais pas lire ça. Donc, certaines choses que nous avons dans la vie, ce n'est pas à cause de notre erreur. Ce n'est pas parce que nous avons mal marché nous-mêmes directement. Il y en a qui nous concernent directement. Quand ça te concerne directement, le prophète dit, il faut d'abord réparer ça. Amen. Il faut réparer ça. Si ça ne te concerne pas directement, essaye de regarder autour de toi, dans la famille. Si tu vois la même chose dans ton frère, dans ton cousin, dans ta soeur, dans ton oncle, c'est peut-être quelque chose qui vient de très haut. Arrière, grands-parents. Et qui se retrouvent comme ça parmi des innocents. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut rappeler à Dieu. Amen. Que toi, tu es de sa lignée. Rappelle à Dieu.
que le fait que tu aies quitté ta famille, tu t'es identifié à la mort du Seigneur Jésus-Christ et à sa résurrection dans les eaux de baptême. Tu as dit, Seigneur, moi j'abandonne tout. Je refuse tout. J'abandonne ma jeunesse, le monde et tout. Je t'aime. Je veux te servir. Je m'identifie à ta mort, à ton ensevelissement et à ta résurrection. Amen. Rappelle à Dieu tout ça. Amen. Que ce lien-là soit coupé. Amen. Et que toutes ces influences qui sont sur les autres ne puissent pas être dans ta vie. Tu as le pouvoir de le dire et de le réclamer. Amen. Et quand tu le réclames comme ça, tu viens dans la ligne de prière où tu es assis, où tu es, parce que nous croyons toute la parole. Nous croyons qu'un homme peut être délivré là, pendant que nous prêchons. Nous croyons qu'un homme peut être libéré par l'imposition des mains. Tu le dis dans ton cœur et tu t'attends à Dieu, lui rappelant que tu as dit, tu pourvois à mes besoins. Pas un jour, tout au long du voyage sur la terre. Écoutez ce qu'il dit ici. Il dit qu'ils avaient mal agi. Les enfants d'Israël, dans cette écriture, ils ont parlé contre Dieu lui-même et contre son prophète. Mais regardez, Frère Branham dit, et pourtant ils avaient mal agi. Ils avaient péché et avaient fait des choses qui étaient mal. C'est la vérité ou pas? Participez. C'est vrai ou pas? Mais regardez la réaction de Dieu. Cependant, quand ils eurent besoin de guérison, Dieu a fait une expiation pour la guérison. Et pourtant, ils avaient mal agi. Mais quand ils eurent besoin de guérison, le Dieu qui est bon, qui est amour, amen, avait pourvu déjà d'une expiation pour la guérison. Il n'a pas dit, vous méritez ça. Ne condamnez pas un frère. Vous méritez ça. C'est parce que vous avez fait. Vous voyez maintenant? Non. Qu'est-ce que tu gagnes à voir un frère aller en enfer? Amen. Il entre avec toi au ciel, il ne prend pas ta place. Il a sa place. Amen. Comment tu peux te réjouir du malheur d'un frère? Ça n'a pas de sens. Voilà pourquoi Branham nous a dit, il a vu l'amour là-bas. Et il est persuadé qu'il n'y a que l'amour, pas la doctrine, pas l'église, pas le fait d'être lié à un homme, un pasteur, une église. Non, l'amour. Le véritable amour pardonne tout, excuse tout, croit tout. Mais il est correctif. Le véritable amour n'a pas sa langue en poche. Quand il faut parler, te dire non, là, mon frère, avec beaucoup d'amour, tu as commis erreur. Accepte ça. Repars la chose. Ne te défends pas. Il n'y a pas la guerre d'écriture. Il n'y a pas des écritures qui combattent les autres. Il n'y a pas deux doctrines dans la parole. Non.
pour dire, mais Dieu, il a aussi dit ça. Non. Et généralement, c'est quand on veut fuir. Ne faites pas ça. Amen. Je ne vous ai pas enseigné ça. Amen. Amen. Moi, je vous ai enseigné que même ton ennemi peut te dire la vérité. L'important, ce n'est pas le fait que tu le considères comme ton ennemi, mais si ce qu'il te dit est vrai, fais-le. Tant que c'est la parole de Dieu. Malgré qu'ils étaient ennemis de Dieu, mais Dieu avait cependant pourvu à la guérison. Il dit, quand il n'y avait même pas d'expiation, mais Dieu a fait une expiation spéciale pour eux, malgré qu'ils s'étaient rebellés contre lui et son prophète. Il dit, voyez-vous, Dieu y a pourvu. Et il dit, devant chaque difficulté, pas chaque maladie. Donnez-moi votre entendement spirituel. Il dit, devant chaque difficulté, pas chaque maladie, vous qui m'écoutez, quel que soit où vous êtes, devant chaque difficulté, nous dit le prophète, Dieu ferait une voie pour y échapper. Oh! Quelle que soit la nature de la difficulté. Amen. Frère Branham dit, c'est dans Dieu se cache et se révèle dans la simplicité. Je suis au paragraphe, si je ne me trompe pas, 90 ou 91 ou 93, c'est à cet endroit-là. Il dit, Dieu ne nous a pas créés pour nous débrouiller tout seuls. Oh, vous n'êtes pas content de le savoir. Dès qu'il y a un problème, tu commences à te débrouiller, à chercher la solution. Comment je vais faire pour trouver telle solution? Non. Il dit, Dieu veut que nous puissions dépendre totalement de lui. Dépendre totalement de lui, c'est-à-dire devant chaque difficulté, retourne à lui, va dans sa présence. Seigneur, il y a telle chose, telle chose. Tu m'as dit que tu as pourvu à ça. Ah, j'ai besoin d'expérimenter ça. Parce que la solution n'est pas à venir. La solution est là, déjà pourvue par Dieu. C'est quand tu cherches à te débrouiller ou aller dans le sens où ton corps te conduit. Le désir de la chair, c'est là que nous ratons tout. Parce que quand tu veux être conduit par le corps, Dieu n'agit pas. Souvenons-nous qu'il nous a dit, qu'il nous a donné le cinq sens. C'est juste pour le contact avec le monde, notre environnement, le monde extérieur. Que je puisse saluer frère Jules, que je puisse communier avec frère Junior, que je puisse prier pour le frère Athanase, que je puisse communier avec frère Bodhi. C'est juste pour ça. Que je puisse écouter la prédication. Mais ce n'est pas pour que ça me conduise. L'essence, non. Pour ce qui est de ta conduite, Dieu veut que tu utilises la foi dans sa parole. Le super sens. C'est l'unique sens pourvu par Dieu pour ta conduite. Il dit ceci, Dieu y a pourvu. Dans chaque difficulté financière,
difficultés dans le mariage, le chômage, dans le travail, dans ta santé. D'ailleurs, en ce qui concerne la santé, j'aime une écriture. Je crois que c'est Josué, le grand guerrier, ou quelque chose comme ça. Frère Branham dit, Dieu avait donné à Israël la terre promise pour qu'ils puissent y vivre. C'était à eux. Vous êtes avec moi? Ils ont combattu pour prendre cette bénédiction, cette promesse. Vous êtes avec moi? Vous avez compris? Il dit ceci maintenant. J'aime ça. Il dit, Dieu t'a donné ce corps pour que tu puisses y vivre en paix. Je crois que c'est suffisant ça. Il dit, Dieu t'a donné ton corps là. Parce que toi, ce n'est pas ce que nous voyons. Ça c'est ma main. Ça c'est ma tête. Mais moi je suis où? Je suis à l'intérieur. Dieu m'a donné tout ça pour que je puisse y vivre en paix. L'ennemi vient, il te donne le mot de tête, mot de pied, mot des yeux. Il dit, c'est chez toi. Tu dois le mettre dehors. C'est ton droit. Qui dit amen à ça? Je termine par une citation. Amen. Il dit, ta maison, Dieu te l'a donnée. C'est pour que tu y vives en paix. C'est ta maison. Tu dis amen à ça. Tu es parti au travail. Tu retournes le soir. Tu trouves un monsieur en peignoir, avec des chaussons, une tasse de café, assis là. Une jambe sur l'autre, en train de regarder la télé, il est en train de boire son café dans ta maison calmement. Et puis toi, tu entres, tu dis, non, tu vois, moi, je suis un homme de paix. Je ne suis pas conflictuel. Je suis comme ça, c'est ma nature. Donc, il peut rester. Tant qu'il ne fait pas de mal, qu'il reste dedans, tu vas dans ta chambre, tu prends ta douche, tu reviens. Et puis tu t'assois avec un inconnu dans ta maison. Vous commencez à boire le café ensemble. Qui peut le faire? J'aime beaucoup. Frère Branham prend des exemples simples pour montrer des grandes choses. Il dit, tu es normal, tu vas rentrer dans cette maison, tu revendiques ton droit. Sors de ma maison. Il résiste. Tu appelles la police. Amen. Sors de ma maison. Tu ne payes pas les factures avec moi. Tu dois aller dehors. S'il résiste, tu appelles la police. C'est la vérité, non? Voilà ce que la maladie est venue faire dans ta maison. Et toi, tu acceptes. La médecine t'aide à accepter l'inconnu dans ta maison. Que tu l'appelles ma maladie, mon diabète. Est-ce que ton diabète va bien? Oui, 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 c'est équilibré. Acclamez très fort le Seigneur. Vous êtes avec moi? Tu acceptes ça, tu restes avec lui. Frère Branham dit, vous devez savoir qu'il est venu faire une chose. Amen.
Il dit, il est venu pour t'amener prématurément dans la tombe. S'il vit, tu vas mourir. Il meurt, tu vis. Tu choisis quoi? Que Dieu vous bénisse. Levons-nous alors, parce que nous avons choisi la vie. Vous avez choisi la vie vous-même. Hein? Nous allons chanter. Celui qui veut l'imposition de main rentrera, viendra dans la ligne de prière. Souvenez-vous que l'Écriture dit, ils imposeront les mains. Ce n'est pas qu'ils prieront. Ils imposeront les mains aux malades. Et les malades seront. Amen. Je vais vous préparer à une chose. Avant toute chose. Amen. Écoutez-moi. Je vous prépare à une chose. Je l'ai déjà dit, je le répète. La guérison, quelle que soit sa nature, se passe en deux phases. Vous êtes avec moi? Frère Branham dit, la première chose, c'est quoi? Quand on t'impose les mains, on arrête la progression de la chose. Donc, dès que vous passez là, je vous impose mes mains, sachez que cette chose pour laquelle vous êtes passé ne va plus évoluer. Vous avez compris? C'est ça la première phase. Ça arrête l'évolution. Donc la chose n'évolue plus. Ça s'arrête là. La deuxième phase, c'est quoi? Dieu va maintenant ramener ta santé ou je ne sais quoi à l'état où elle est censée être. Vous avez compris ça? C'est-à-dire, si après la réunion, vous ne voyez pas ce que vous attendez tout de suite, soyez au moins sûr d'une chose, l'évolution est arrêtée. Continuez à prier, à dire merci à Dieu et vous verrez la suite commencer à se manifester petit à petit. Il dit dans Marc 16, c'est Marc 16 ou quoi là, 7 je crois. Il dit quand vous dites à la montagne, c'est 7 hein, bon, quel que soit le chapitre, comment, dans la Bible oui. Vous dites à la montagne, ôte-toi de là. Amen. Jette-toi dans la mer. Tu regardes la montagne, elle est là. Mais il y a une chose qui a commencé dès que toi tu as parlé. Les poussières commencent déjà à quitter. Jusqu'à ce qu'un jour vous reviendrez là et vous ne verrez plus la montagne. Il a dit au figuier, on ne mangera plus jamais de tes fruits. Quand il a terminé, le figuier était toujours là. Ils sont partis et quand ils reviennent, ils trouvent le figuier sèche, mais il était toujours là. Jusqu'à ce qu'il a disparu totalement. Voilà ce qui va se passer. Pour les autres, sur base de ta foi, il y a ce qu'on appelle le miracle. C'est d'un coup, ça se passe.
Ça peut arriver d'une façon ou d'une autre. Retenez une chose, ça doit... Amen. Est-ce que la technique est prête? Suivons un peu cette citation. Some people touched the garment of Jesus and was made well. Others smacked him in the face and hit him on the head with sticks and spit in his face. Never felt any virtue at all. It was their attitude of approach. Certains ont touché le vêtement de Jésus et ont été rétablis. D'autres l'ont giflé, l'ont frappé sur la tête avec des bâtons et lui ont craché au visage. Ils n'ont ressenti aucune vertu. C'est l'attitude qu'ils ont adoptée lorsqu'ils l'ont abordé. It depends on what attitude you come in. If you come believing that you're coming to get help and you're confident that you're coming to the right person, Jesus Christ, and you're coming his provided way of approach, you're going to receive something. If you come reverently. Tout dépend de l'attitude que vous adoptez lorsque vous venez. Amen. Si vous venez en croyant que vous venez dans le but d'obtenir de l'aide, et que vous avez l'assurance que vous venez à la personne qu'il faut, Jésus-Christ, et que vous venez en adoptant l'approche pourvue par lui, vous allez recevoir quelque chose. Amen. Si vous venez avec respect. If you come well, I'll go touch and see if it helps me. That won't do any good at all. It's your approach to God's divine article is what does it. Si vous venez, bon, je vais toucher et voir si ça va m'aider. Ça ne servira à rien du tout. Voyez, la façon dont vous abordez l'article divin de Dieu, c'est ce qui produit le résultat. It's like the brass serpent. Well, the serpent didn't have no virtue in it. It was a piece of brass that brought up out of Egypt. Neither did the pole have any virtue in it. Not a bit. Tout comme le serpent d'airain. Eh bien, le serpent ne possédait aucune vertu. Oui. C'était un morceau d'airain qu'ils avaient rapporté de l'Égypte. Okay. Le poteau non plus ne possédait aucune vertu. Aucune. But it was obeying what God said do, what brought the power, what brought the virtue, is obedience to the word of God. And that's the same thing tonight. Mais c'était le fait d'obéir à ce que Dieu leur avait dicté. C'est ce qui a produit la puissance. Amen. Ce qui a produit la vertu. Amen. L'obéissance à la parole de Dieu. Amen. Et c'est la même chose ce soir. Amen. Amen. Acclamons le Seigneur Jésus. Avancez avec la même attitude et le Seigneur fera la même chose parce qu'il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Il n'y a pas une puissance, une maladie. Frère Bonhomme dit, quand il voyageait dans le désert, Moïse avait une pharmacie portative. Amen. Ce n'était pas une officine quelque part dans un coin. Non. Là où était Moïse, la pharmacie de Moïse était là. Et dans cette pharmacie, les gens venaient, il y avait une queue. Les gens venaient pour chercher des produits pour leur guérison. Mais sur les étagères de toute l'officine, il n'y avait qu'un seul produit. Une pharmacie bizarre. Il y a beaucoup d'étagères, mais un seul produit. Plusieurs cas. Un produit qui guérit toutes les maladies, toutes les insuffisances, tous les excès. L'unique produit, une panacée, comme on l'appellerait en médecine. Une panacée. Seul. Et ce produit-là, c'était Psaume 103. Je suis l'Éternel qui vous guérit de toutes vos maladies. Qui dit amen à ça? Ce produit est encore valable maintenant. En dehors de ça, frère Branham dit, nous aujourd'hui, la pharmacie de Dieu a aussi un seul produit. Amen. Vous allez faire la queue à la pharmacie, mais vous regardez derrière, il n'y a qu'un seul produit. Il dit, ce produit, c'est quoi?
Le châtiment qui donne la paix est tombé sur lui. Et par ses meurtrissures, est-ce que vous prenez le produit? Qu'il vous soit fait selon votre foi. On chante un peu, on prie. Si vous êtes déjà prêt, alignez-vous. Vous pouvez prier même dans la ligne, il n'y a pas de problème. Vous viendrez de ce côté. Pendant que tu es avance, dis à Dieu pourquoi tu es là. Tiens l'immuable main de Dieu. Crois dans ta guérison. Et quelque chose va se passer ce jour. Seigneur, je les confie tous à toi, Père. Accomplis simplement ta promesse. Confirme ta parole. Manifeste que tu es l'unique guérisseur, Seigneur. Tous tes enfants, Père, quel que soit le démon qui les tourmente, qu'ils soient totalement libérés ces jours pour la gloire de ton nom et l'avancement de ton royaume et pour la joie de tes enfants, je te le demande au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Abandonne et pardonne. Attention, laisse tes pas au pied de ton sauveur. Si tu crois sans défaillir, il sera. Abandonne tes fardeaux à ton sauveur. Si ton pauvre corps brisé a perdu force et santé, le cœur est gémi sous la douleur. Jésus sait ce que tu sens. Il peut sauver et guérir. Abandonne et pardonne à ton sauveur. Oh, laisse-les. Oh, laisse-les. Laisse tes fardeaux au pied de ton sauveur. Si tu crois sans défaillir, il sera. Ah.
partout à ton sauveur. Puis laisse tes femmes au pied de ton sauveur. Si tu crois sans défaillir, il sera.
Il a agi,
s'il a agi, il agit en ce lieu et il agira partout. Jésus ne change pas, alléluia, hier, aujourd'hui, à jamais, hier, aujourd'hui, à jamais, hier, aujourd'hui, à jamais, Jésus, ah, alléluia, alléluia, il est le même. S'il a délivré hier, il le fait maintenant et le fera demain. S'il a délivré hier, il le fait maintenant et le fera partout. Jésus ne change pas, alléluia, et aujourd'hui à jamais, et aujourd'hui à jamais. Thank you.
m'a restauré. Alléluia, rétabli. Alléluia, il m'a rétabli. Alléluia, alléluia, encore. Alléluia, il m'a rétabli. J'ai dit alléluia, alléluia. Oui, alléluia, alléluia. Alléluia, alléluia. Alléluia.
je l'aime. Dieu Tout-Puissant, Dieu Tout-Suffisant, c'est toi le salut et la guérison. Je lève ma voix en ce moment au nom du Seigneur Jésus-Christ et en faveur de ton peuple. Je condamne tout esprit qui aurait résisté à la prière. Je le maudis au nom de Jésus-Christ et le conjure par la puissance et l'autorité que tu me donnes de quitter la vie de tes enfants, de retourner d'où il est venu. Je proclame la guérison, la délivrance, la vie, la restauration au nom de Jésus-Christ. Merci Seigneur. Souviens-toi de la sœur Yvonique qui a demandé une prière spéciale pour elle. Je la déclare guérie. Je me souviens spécialement de la sœur Lomingo Simon-Pierre et la sœur François, du frère Kaninda Dief. Je les amène tous à toi. Ta main n'est pas courte pour sauver. Guéris-les totalement, Père. Que tu puisses en tirer gloire et que la joie demeure avec ton peuple. Au nom de Jésus-Christ, je te le demande. Merci, éternel mon Dieu. Je crois que tu l'as fait. Tu t'es souvenu de chacun. Ce que tu as fait pour tes enfants, fais-le aussi pour moi. Merci éternel mon Dieu. Je te remercie spécialement frère Jules qui ne pouvait pas quitter son poste parce qu'il te servait. S'il a un besoin particulier là où il est père, que tu le touches et exauce sa prière. Merci éternel des armées pour toutes choses. Nous sommes venus malades, avec des problèmes, et nous étions dans ta présence, nous sortons avec la vie.
Merci pour toutes les merveilles que tu viens d'accomplir dans chaque maison, dans chaque famille, dans chaque vie. Guéris aussi Rock Séculaire. Qu'aujourd'hui soit aussi un nouveau départ, qu'il y ait la guérison totale de Rock Séculaire Tabernacle. Est-ce que l'Église le croit? Merci, tendre Père, de l'avoir fait. Rentre avec nous. Reste avec ton Église alors que je vais me déplacer pour aller te servir. Je te demande de me précéder, Seigneur. Toi qui as promis de garder notre départ et notre arrivée de maintenant à jamais. Manifeste-toi, Seigneur, plus puissamment que tout le temps, afin que la gloire te revienne. Merci, tendre Père. Je laisse l'autre séculaire sous ta conduite et ton contrôle au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Oui, on va le chanter. Oui. Dieu voulant, ce demain que je vais partir, nous allons partir, mon épouse et moi, au Congo, précisément au Katanga. Il y a une convention organisée là-bas et c'est moi qui dois prêcher à partir de mercredi jusqu'à dimanche. J'ai besoin de votre soutien, j'ai besoin de vos prières et je remercie chaque personne pour tout ce que vous avez fait pour que ce voyage soit possible. Il y a un Dieu au ciel. Vous avez investi dans sa firme. Il nous a dit que son coefficient multiplicateur, c'est 100. Qu'il vous donne au centuple de tout ce que vous avez fait. Car, je vous l'ai dit honnêtement, sans cela, ce voyage n'était pas possible. C'est vous qui m'envoyez. Restez à genoux. Priez pour moi. Et que Dieu essuie vos larmes. Que Dieu se souvienne de vous. Qu'il vous accorde au-delà de vos attentes pour tout ce que vous avez fait. J'ai vraiment demandé ça. Je crois que Dieu m'a toujours exaucé. Encore une fois, Seigneur. Restez en paix. Prions les uns pour les autres. Frère Gilles reste avec l'Église. Et restez avec lui. Le dimanche prochain, nous avons appris que la mairie a pris tous les sites. Du coup, ça ne sera peut-être pas possible que nous puissions avoir le culte, que vous puissiez, nous, parce que je suis toujours l'un de vous. Nous sommes les uns des autres, les uns les autres, les membres d'un même corps. Peut-être qu'il n'y aura pas culte ici. Je vais demander, là où je vais prêcher à la convention, qu'ils puissent se connecter avec Frère Junior pour transmettre la réunion de là où je serai. Si ce n'est pas possible, il y aura toujours une solution. Et nous avons notre espace où nous communiquons. Et vous aurez certainement une information, s'il y en a une, là-dedans. Amen. Prions les uns pour les autres. Soutenez-nous dans vos prières.
Que le Seigneur vous bénisse encore une fois. Merci beaucoup. Frère Branham dit que c'est l'Église qui envoie ses missionnaires. Malgré que c'est une invitation, si je pars, c'est parce que vous, vous m'avez envoyé. Amen. Alors, restez à genoux. Priez pour moi. Prions les uns pour les autres. Que le Seigneur vous bénisse richement. Est-ce que Dieu a fait quelque chose pour vous? Il y a beaucoup de choses qui se sont passées depuis le dimanche passé. Aujourd'hui aussi, je le sais. Je crois que si le Seigneur tarde, nous aurons une réunion de témoignages quand je reviendrai. C'est le prophète qui l'a dit comme ça. On a dit parfois, au lieu d'avoir tout le temps de témoignages pendant la prédication, c'est mieux d'avoir une réunion spéciale pour ça. Nous aurons une réunion spéciale pour ça si Dieu ne me conduit pas autrement. Préparez vos témoignages, restez dans la parole, dans la prière. Menez la vie de privation, éloignez-vous du monde, de tout ce qui se passe ailleurs. Concentrez-vous sur votre vie et la parole. Prière, parole, et le Seigneur fera davantage. N'oubliez pas de nourrir le bébé. Le bébé est né, il a besoin de la nourriture pour grandir. Amen. Donnez-lui beaucoup. Donnez-lui la nourriture, que ce bébé grandisse. Vous dites amen à ça? Amen. Devons-nous chanter un peu, le Seigneur a fait pour moi des merveilles. Pour vous. Éternel a fait pour moi des merveilles. Il a permis à mon âme et à mon cœur à tout mon être de retrouver la position perdue. Alléluia. Acclamons pour l'éternel. Oh.
il a à mon âme et à mon cœur, à tout mon être, de retrouver la position perdue. Amen. Nous allons élever nos voix, frères et sœurs, afin de recommander le voyage du pasteur et de son épouse. Prions tous ensemble pour que Dieu fasse réussir ce voyage. Elles vont nous voir. Dieu, notre Père Céleste, nous nous inclinons devant toi pour te remercier, ô Seigneur, te remercier pour le travail que tu as commencé depuis plusieurs mois, ô Père. Tu nous as préparé, ô Dieu Tout-Puissant, en ce moment que nous avons vécu ces deux dernières semaines. Nous te bénissons car de main de maître, tu nous as conduits dans chaque étape, ô Père. Devant chaque danger, tu as déployé ta toute-puissance, ô Seigneur. Tu nous as pris par la main, ô Dieu, en nous faisant passer par le salut de nos âmes. Et aujourd'hui, tu nous fais vivre la guérison, non seulement de nos corps, mais la délivrance du Tout-Puissant, de toutes les chaînes qui auraient pu nous retenir, ô Dieu, dans quoi que ce soit. Nous t'en sommes reconnaissants. Nous avons encore besoin de toi, Seigneur. Nous avons encore besoin de toi, car c'est toi qui nous donneras la victoire finale, ô Seigneur. Nous prions pour que tu nous aides, ô Père, à tourner nos pensées vers ta parole. Aide-nous, ô Dieu, à serrer ta parole contre nos cœurs, afin de ne pas pécher contre elle, Seigneur. Aide-nous à arroser nos âmes, ô Dieu, par les Écritures, par la prière, ô Père, par l'écoute de la parole. Ô Dieu, tu as dit que nous sommes des créateurs. Créateurs de quoi? Créateurs de l'atmosphère autour de nous, Seigneur. Et l'atmosphère, c'est un monde, ô Dieu, dans lequel nous pouvons vivre, loin du monde dans lequel nous vivons aujourd'hui, Seigneur. Ô Dieu, parce que cela nous appartient, de quelle atmosphère, laisse que chacun de nous se lève, ô Père, pour bâtir autour de lui une atmosphère céleste, ô Père. Et nous savons que le matériau que tu as prévu pour cela, c'est ta parole, c'est ta prière, ô Père. Ainsi, aide-nous, Père bien-aimé, à nous lever afin de bâtir cette atmosphère, ô Père. Nous avons prié pour notre pasteur qui va se déplacer pour ton service, ô Père. Précède-le, ô Père. Précède-le, ô Dieu Tout-Puissant, et prépare le terrain devant lui, Seigneur. Les autorités de ce monde, ô Dieu, avant de se déplacer, ils envoient des équipes d'avance, ô Père, afin de s'assurer de la sécurité, du logement, de toute la logistique, ô Père. Et, ô, nous n'avons pas ces moyens, ô Dieu, matériellement parlant, Seigneur, mais nous savons que toi, tu es capable de déployer cela, ô Père. Ô Dieu, ton fils a dit que ton père, son père, était capable de déployer une corde d'ange, ô Père.
Oh Dieu, nous croyons, Père bien-aimé, que tu peux précéder notre pasteur et pour assurer sa sécurité, que ce soit la sécurité, oh Dieu, physique, comme la sécurité alimentaire, mais aussi la sécurité spirituelle, oh Père. Que son esprit ne soit corrompu par quoi que ce soit, oh Père. Qu'il reste concentré pour le travail pour lequel il va là-bas, oh Père. Aide-le, oh Dieu Tout-Puissant, à rester, oh Dieu, serein, à rester, oh Dieu Tout-Puissant, concentré, oh Dieu, sur ta parole, oh Père. Que ton Saint-Esprit l'environne de sa puissance, oh Père, et que de sa bouche sortent des oracles qui vont bénir tes enfants, Père. Enfin, nous prions, Père, que tu nous le ramènes sain et sauf, oh Père, pour continuer ton travail. Bénis l'Église, oh Père, et nous nous abandonnons tous entre tes mains, afin que tu nous protèges en chemin contre tout ce qui pourrait nous arracher notre bénédiction. Dans le nom de Jésus, nous prions ici. Amen. Amen. Que Dieu bénisse. Adèle, la paix du Seigneur. Nous nous retrouvons mercredi ici. C'est plutôt les dimanches prochains que le site sera occupé. Mais le mercredi, notre culte aura bel et bien lieu.